Non, mais moi, je sais pas comment elle est la tienne, Michel, mais moi, mon Aurélie, elle est super moderne, et même si elle est super moderne, bah, elle me laisse jouer mon rôle de mec. Tu vois ce que je veux dire? Mon rôle de bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui le patron? Merci pour elle. Non, c'est vrai, moi, mon Aurélie, c'est génial, parce que, par exemple, elle ne me critique jamais. Jamais. Elle ne me critique jamais. C'est super rare pour une femme, pas vrai, les mecs? Bande de faux cul. Eh, ça se voit que vous êtes venus en couple. Non, c'est vrai, moi, la mienne, elle ne me critique jamais. Jamais. Même quand je galère à faire des trucs de mec. Elle ne me critique presque jamais. Presque jamais, Michel. Ah, vite fait, quoi, comme ça. Mais vraiment vite fait, pour pas me vexer. Et pour ça, elle utilise une petite phrase magique que peut-être vous avez déjà entendue, messieurs. Laisse, je vais le faire. Apparemment, ce soir, il y a des pratiquants. Quand je galère à faire un truc de mec, laisse, je vais le faire. À chaque fois, quand je galère à monter un meuble Ikea, laisse, je vais le faire. Quand je galère à garer la voiture en créneau, laisse, je vais le faire. Quand je galère à la faire jouir, laisse, je vais le faire. Elle est géniale. Et ce qui est génial aussi, Aurélie, c'est que mon Aurélie, elle ne me juge jamais. Elle ne me juge presque jamais. Eh, faut pas déconner. Mais bon, un petit peu, comme ça, vite fait, pour pas me vexer. Et pour ça, elle utilise une autre petite phrase que peut-être vous avez déjà entendue. Messieurs, j'aurais pas fait comme ça. Il y a des pratiquants extrémistes. Et ce qui est génial, moi, avec mon Aurélie, je sais pas toi, Michel, mais c'est qu'elle m'encourage. Ah, elle m'encourage toujours, quoi que je fasse. Elle est toujours là pour me donner d'énergie et me soutenir. Et pour ça, elle utilise une autre petite phrase magique que peut-être vous avez déjà entendue. T'as fait ça tout seul? Et quand elle est en forme, elle rajoute, tu veux une médaille?